l'issue de ce deuxième millénaire, nous avons assisté au déploiement des vastes mondiaux d'une grande religion. À vrai dire, le monde de la pensée libre ne fut guère surpris par cette glorification très médiatisée. Mais il en fut quelque peu irrité. C'est qu'un argument de durée ne confirme en rien une thèse ni les postulats d'un dogme. Parce que, en matière de longévité, la pensée libre peut assurément prétendre faire mieux. Ainsi, pourquoi ne pas faire état, pour cette pensée libre, de 2500 ans d'existence et même davantage? Et pourquoi ne pas montrer que cette aventure d'une humanité dégagée des dogmes fut généreuse et exaltante? Je les regarde comme vous, je les vois. Comment ne pas avoir le cœur serré en pensant à ce jour où ils ont pris leur décision, où ils ont eu ce courage de faire une croix sur tout ce qui était leur vie jusqu'alors, leur maison, leurs parents, leur langue, leurs habitudes, pour fuir une vie médiocre, la misère, ou par peur de persécution de la part d'un régime totalitaire, d'un régime aveugle aux valeurs démocratiques, à nos valeurs humanistes. Et les voilà ici, ici, en Europe. Pourquoi l'Europe? Avant toute chose, on y trouve l'abondance économique. Tout qui voyage en dehors de l'Europe des 15 constate immédiatement la différence de niveau de vie. De plus, il fonctionne un dialogue démocratique à l'échelle de chaque État et à l'échelle de l'Union européenne. Il règne aussi une relative paix sociale, dont le fondement est la solidarité institutionnelle de tous à l'égard de chacun. Une troisième raison de se réfugier ici, et non des moindres, l'Europe des 15 connaît, pour la première fois depuis Charlemagne, plus de 55 ans de paix. Après avoir vécu, toujours depuis Charlemagne, 163 conflits. On y reviendra. Ont disparu aussi les haines ancestrales entre les nations constituant l'Union européenne. Ce fut le fruit de l'action de quelques visionnaires, dont était Paul-Henri Spaak. Savez-vous quelle est la base de notre politique? C'est la peur. La peur de vous, la peur de votre gouvernement, la peur de votre politique. Et si j'ose employer ces mots, c'est parce que la peur que j'évoque n'est pas la peur d'un lâche, n'est pas la peur d'un ministre qui représente un pays qui tremble, un pays qui est prêt à demander pitié ou à demander merci, non. C'est la peur que peut avoir, c'est la peur que doit avoir un homme quand il regarde vers l'avenir et qu'il considère tout ce qu'il y a peut-être encore d'horreur et de tragédie et de terribles responsabilités dans cet avenir. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Comment le désastre de l'ancienne Yougoslavie a-t-il été encore possible après l'impressionnant exemple de la réconciliation franco-allemande? Comment faire face à la nouvelle folie du monde? Un terrorisme sans précédent, fruit d'un intégrisme délirant. Combien cette Europe apparaît-elle plus que jamais comme un lieu hautement nécessaire? En effet, nulle part ailleurs dans le monde n'existe à ce point une telle possibilité de vivre dans la tolérance, d'être protégé dans l'exercice de ses convictions, dans le vécu de ses sensibilités. En un mot, de vivre une telle possibilité de penser libre.
C'est dans ce cadre de vie-là que les immigrés veulent trouver leur place. Il est sans doute difficile pour nous de la leur faire, cette place, sans une prise de conscience personnelle, sans une nécessaire ouverture d'esprit, mais aussi sans naïveté. Le respect de l'autre doit être réciproque. C'est cela aussi, la pensée libre, qui permet d'appréhender notre chance, notre bonheur de vivre en paix et d'être prêt à partager. Ce n'est pas partout le cas. Pour une Europe occidentale, à peu près paisible, combien d'autres parties de cette planète ne sont-elles pas en déficit d'une vraie démocratie ? En absence de la simple application de la Charte des droits de l'homme. La liste serait sans fin, chacun peut l'adresser. Pourquoi une majorité de la population mondiale vit-elle en dehors de toute démocratie ? Les causes sont nombreuses. Elles sont politiques, économiques, ethniques. Certes, mais ces causes sont aussi religieuses. Il nous faut bien constater qu'aucune religion n'échappe à ce phénomène. Chaque croyance est convaincue que son hégémonie assurerait automatiquement à l'ensemble de l'humanité le bonheur et le salut. Voyons les conséquences. Par exemple, en Irlande, la simple différence des thèses du catholicisme et du protestantisme attise le feu du conflit social et politique. En ex-Yougoslavie, l'affrontement est constant, fondé sur la confrontation entre musulmans, orthodoxes et catholiques. Au Proche-Orient, trois religions sont là, présentes, invoquant un même Dieu et se vouant cependant une haine ancestrale. Entre le Pakistan et l'Inde, l'hostilité est permanente, fondée sur la lutte entre deux géants de la spiritualité religieuse, l'islam et l'hindouisme. Un monde musulman nourrit un courant intégriste irrésistible et s'affronte à un monde hindou où montent en puissance les forces mauvaises du nationalisme et de l'intolérance. Gandhi ne semble plus être qu'un souvenir renié. En Afrique, l'islam se voit contesté par les pouvoirs chrétiens et animistes. Massacres et persécutions ne se comptent plus. En Indonésie et aux Philippines, musulmans et chrétiens s'entretuent. Sunnites irakiens et chiites iraniens se sont fait une guerre totale. Et même au sein d'une même pensée religieuse, les ultras éliminent les modérés, comme en Algérie. Quand on prend conscience de l'absurdité des raisons que les hommes se sont données de tout temps pour s'entretuer, on est amené à se poser la question suivante. Comment se fait-il qu'ici, dans l'Europe des 15, pour la première fois, nous connaissions plus de 55 années de paix? Ça n'est jamais arrivé. Alors, pour répondre à cette question, remontons le cours du temps et demandons-nous s'il y a une exception européenne. Beaucoup répondront qu'il existe une nature chrétienne, voire catholique, de l'Europe. D'autres consentiront à affirmer la réalité d'un fond judéo-chrétien. Examinons de plus près cette conviction de ceux qui ont tout intérêt à glorifier leur construction religieuse. Certes, le christianisme a constitué l'une des pierres essentielles de l'édification de l'Europe, mais il y a d'autres piliers tout aussi remarquables. Il ne faut pas oublier le socle polythéiste de cette Europe. Ses croyances fondamentales, celtes, gauloises, grecques, romaines, se sont éteintes, soufflées les unes après les autres sous l'oppression d'une pensée unique, celle de l'Église qui coupa tous les ponts avec le savoir grec. L'Europe s'est construite sur une base de religions polythéistes locales et trois apports du Proche-Orient. Le judaïsme et le christianisme d'abord. Plus tard, l'islam, qui fut une source essentielle de savoir scientifique. À noter que le mariage entre le judaïsme et le christianisme fut toujours difficile. Alors que les musulmans édifièrent parfois,
avec une certaine tolérance accordée à des intellectuels juifs, des civilisations prodigieuses que les chrétiens s'acharnèrent à détruire. Grenade, 1492. Quelle date funeste pour les Juifs d'Espagne. Pour y voir plus clair, sans doute nous faudra-t-il remonter plus haut dans le temps, jusqu'en Égypte pharaonique. Je pourrais avoir vécu ici, parmi ces murs intacts, ces piliers dressés, ces sphinx à tête de bélier, ces obélisques pointés vers le ciel. En un tel lieu, certains jours, parmi les prêtres et les prêtresses assemblés, Pharaon apparaissait. L'Égypte pharaonique n'a pas seulement édifié des temples prodigieux, elle a construit des mythes essentiels. Ainsi, la légende d'Osiris. Le libre arbitre, le jugement divin, la résurrection, la puissance de l'amour, l'existence d'un Satan déchu, tout est en place pour édifier le christianisme. Mais il a fallu du temps, car apparemment les anciens Égyptiens n'étaient pas libérés du pluralisme des dieux. Et pourtant, ces innombrables représentations de divinités n'ont sans doute pas grand-chose à voir avec les dieux comme nous l'entendons. On peut y voir plutôt des archétypes de la connaissance, des images de la vie quotidienne, des objets de méditation, une méditation aidée par la vue du concret. Akhenaton tente d'imposer un dieu unique et entend remplacer ainsi cette multitude de divinités créées, comme en tant d'autres lieux à l'époque, par une civilisation essentiellement agricole. Il a les idées larges, Akhenaton, pour son temps tout au moins. Il prône l'accueil des étrangers, et s'adressant à son dieu unique, le soleil, ne dit-il pas « Tous les hommes naissent égaux devant toi, seule leur méchanceté peut les différencier ». Mais Akhenaton, à peine disparu, sa capitale fut rasée. Ce règne du dieu Aton ne fut en fait qu'une parenthèse dans un univers résolument polythéiste. Comment ai-je pu oublier de vous parler de Maat ? Maat, vérité, équité, justice. Tout le monde y est soumis, depuis Pharaon, son administration jusqu'aux plus humbles paysans. Vérité, équité, justice. Beau pilier pour une pensée libre, de quoi maintenir et soutenir l'Égypte pendant près de 4000 ans. Le libre arbitre, tout était en place déjà dans la légende d'Osiris, où l'homme déjà doit choisir entre le bien et le mal. Comme tout est en place dans la doctrine de Zoroastre au 7e siècle avant notre ère, affirmant des idées analogues. Mais les Grecs, Thalès, Démocrite, Zénon, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et tant d'autres. À les lire, à les entendre, j'ai le sentiment qu'ils ont apporté une toute nouvelle manière de penser. On peut dire que les Grecs ont radicalement, et cela depuis le 6e siècle avant notre ère, modifié le rapport de l'homme au monde. Et cela sur deux points. La critique devient le moteur de la pensée. Et la conception du monde repose essentiellement sur une analyse mécanique de l'univers. Voilà l'apport des Grecs. Et puis, il y a l'Asie. En effet, à la même époque, l'Asie voit naître un essaim de pensée dégagé de l'emprise des dieux. Des pensées qui ouvrent une voie royale au jaïnisme et au bouddhisme en Inde. En Chine, un courant identique inspire le confucianisme et le taoïsme, qui ignorent ou bousculent les dieux et les dogmes. Ces quatre philosophies irradient l'Asie dès le 5e siècle avant l'ère vulgaire.
toutes sont devenues des religions sous la pression de l'angoisse humaine qui n'arrive pas à se passer d'une protection surnaturelle. Et puis le pouvoir politique préférera toujours une religion à une philosophie. La maîtrise du citoyen en est grandement facilitée. L'éternelle alliance entre le prince et le pontife. Alors, au point où nous en sommes dans ce voyage dans le temps, sommes-nous mieux en mesure de mettre en évidence un creuset d'une éventuelle civilisation européenne? D'abord, de belles graines d'animisme, de polythéisme sont semées à l'aube de l'histoire de nos contrées. Rappelons-nous l'exemple de l'Égypte. Le judaïsme, lui, se dégage du fond sémitique oriental, un apport tout à fait remarquable. Dans la tradition juive, l'homme, dans sa dignité et sa liberté, n'est pas écrasé par l'autorité. Serait-ce même celle de Dieu, qui l'a créé à son image. Le sens critique permet une lecture jamais figée du livre, une démarche fort semblable à celle qu'adoptera le protestantisme. La cité grecque, gouvernée par les citoyens et non plus par les dieux, a permis l'avènement de la démocratie, le progrès de la science et la formation des doctrines métaphysiques. C'est la raison humaine, fondement de la rationalité et des lois scientifiques, qui est souveraine. À Rome, la République accorde la citoyenneté à tous les habitants des territoires conquis. Le droit régule la société par des lois et garantit la sécurité juridique. Le christianisme, lui, va promouvoir l'individu. Il se fonde sur l'incarnation d'un Dieu sauveur pour rallier à lui les esclaves. Il considère toute personne comme étant de valeur égale, quel que soit son statut, sa condition, son infirmité éventuelle et ses déficiences. Mais le christianisme se fermera aux sources fabuleuses de la pensée gréco-romaine, et même refusera l'énorme apport des philosophes arabes et asiatiques. Le christianisme veut éliminer toute concurrence, qu'elle soit idéologique ou religieuse. La ville d'Alexandre le Grand est un haut lieu de civilisation littéraire, artistique. La bibliothèque d'Alexandrie, célèbre de par le monde, riche de plusieurs centaines de milliers de volumes, attire des foules de chercheurs avides de progrès et de raison. L'Église chrétienne décidera la destruction jusqu'en ses sources de ce qu'elle estime être la pensée païenne. L'évêque d'Alexandrie, Théophile, attisa la colère des chrétiens d'Égypte. Et c'est une foule déchaînée qui incendia les précieux rouleaux de la bibliothèque qualifiée de « citadelle de l'immoralité » et ne laissa plus un temple païen debout. L'Église est même allée plus loin. Saint Augustin, un des sommets de la pensée catholique, 4e siècle de notre ère, veut défendre le christianisme contre les reproches des païens. Ce qui l'amène à préférer sauver les âmes pour leur éviter l'enfer, et cela même au prix de persécution, plutôt que de sauver les corps des pauvres privés de nourriture terrestre. L'intolérance devient la mère du salut des âmes, leur évitant l'enfer par des contraintes terrestres extrêmes. Et ne parlons pas de la condition et du destin des femmes. La femme fut écartée de la société et du sacré. Et voici qu'au 7e siècle, un nouvel acteur va entrer en scène, dont l'influence sur l'Europe sera considérable. Je veux parler bien sûr de l'islam. L'islam qui, après une expansion fulgurante, va connaître plusieurs âges d'or. Damas, Bagdad, Cordoue, Istanbul, Le Caire. Autant de lieux marqués par un esprit d'ouverture, d'intérêt pour les autres civilisations, de relative tolérance remarquable pour l'époque, tout cela menant à une vitalité qui va féconder l'Europe.
le monde islamique a souvent été un monde judéo-arabe. Adepte de religions aux dieux rigoureusement uniques, excluant comme sacrilège l'idée d'incarnation du divin, juifs et arabes avaient et ont toujours matière à s'entendre. L'islam fut donc pour l'Europe un apport de culture intense. Mais le Moyen-Âge chrétien ne fut pas qu'une période noire d'obscurantisme. Vinrent alors en Europe les premières universités. Des guildes et des corporations dans les villes marquent la lutte contre la féodalité et ses privilèges. C'est le temps des trêves, du droit d'asile, de la construction des cathédrales née d'un réseau profond de collaboration et de l'essor des échanges commerciaux et culturels qui établissent des liens dans toute l'Europe. Tout cela prépare la Renaissance. L'homme a élargi son espace, il a redécouvert son passé. Il peut aussi prétendre prendre la place des dieux et inventer l'humanisme. Et puis, la Réforme parachève le virage spectaculaire. Elle retourne à l'essentiel, conteste l'autorité d'une papauté qui veut tout gouverner, les esprits, mais aussi les nations. La Réforme ouvre au dialogue, lutte contre de nombreux abus, mais surtout, elle invente le libre examen, au sein d'une réflexion chrétienne, bien entendu. Ce qui veut dire que le texte sacré peut être lu, pesé, pensé, critiqué, accepté par des hommes totalement libérés de toute autorité cléricale. Les temps pour une véritable libération totale de la pensée seraient-ils venus ? Au XVIe siècle, c'est toute une vision du monde et donc aussi de la société qui se voit mise en doute, non sans mal, car on ne compte plus les savants censurés, persécutés, exécutés. C'est la déferlante de la contre-réforme. J'en demeurerai à jamais meurtri, bouleversé. Aujourd'hui, ici, 17 février 1600, un homme de bien, un savant, un érudit, a été brûlé vif par l'Inquisition romaine. Eh oui. Après 8 années d'emprisonnement, Giordano Bruno a subi un autre supplice. On lui a arraché la langue. En ce jour, sur ce Campo dei Fiori, un si joli nom pourtant, l'Inquisition a commis un nouveau crime contre l'humanité. Ex-dominicain devenu calviniste, puis luthérien, à ceux qui s'en étonnaient, il répondait que la philosophie a beaucoup plus d'importance que la théologie. Il est vrai que depuis le XVe siècle, il s'était produit sur cette terre d'Europe, en ce promontoire continental de l'immense Asie, en surplomb de cette mer intérieure qui la sépare de l'Afrique profonde, une cascade d'événements totalement imprévisibles, qui devait soumettre les esprits à une succession de remises en question toutes plus déstabilisantes les unes que les autres. Le glacis médiéval se fissure. Depuis tout un temps déjà, des esprits audacieux bravant les interdits avaient redécouvert par le truchement des Arabes des bribes de la sagesse antique. Les certitudes théologiques de la scolastique sont remises en question. De son statut d'humble servante de la théologie qu'était le sien, la science, faite d'observation de la nature et de raison, s'éveille, d'abord timidement, à un début d'autonomie. On redécouvre Aristote et sa physique pour bientôt la réinterroger. De nouveaux courants de pensée apparaissent, notamment grâce à Érasme, le prince des humanistes. Le propos délibéré d'Érasme est d'affranchir les hommes d'un système de pensée périmé et de leur faire découvrir les voies nouvelles offertes par l'humanisme. L'humanisme, c'est l'intelligence opposée à la violence.
C'est la liberté opposée à une idéologie corsetée. Écoutez ce qu'il écrit. Il y a des gens dont la dévotion au célibat et au monachisme n'est pas plus destinée à réussir que si l'on introduisait un âne parmi la race des dieux. Erasme est aussi un remarquable pédagogue. Il donne des conseils d'hygiène et de savoir-vivre. Il énonce les règles à suivre en matière d'éducation. Il suggère des méthodes d'apprentissage. Dans tous les cas, il en appelle à la raison de l'enfant. Rappelant au passage que l'homme ne naît pas homme, mais qu'il le devient. C'est que tout a changé. C'est comme une renaissance. L'imprimerie démultiplie la circulation du savoir, mais fait aussi éclater la contestation. Toujours croyant, chrétien toujours bien sûr, Calvin et Luther n'en remettent pas moins en question le pouvoir de Rome. La réforme conquiert le droit à un examen plus libre des textes, certes toujours saint, mais le trône de Pierre vacille. La boussole, le sextant et une maîtrise plus fine de la mesure du temps ouvre à d'audacieux marins des horizons nouveaux. Et voici que la Terre s'avère peuplée de plantes inconnues, d'animaux surprenants et surtout d'hommes, d'humains qui ne savent rien ni de Moïse, ni de Jésus, ni de Mahomet. Et cette terre, définitivement ronde, puisqu'on en peut faire le tour, il est clair désormais qu'elle n'est plus au centre du monde, que la Lune tourne autour d'elle, comme elle-même le fait autour du Soleil, à l'instar des astres médicéens, que la lunette du Pisan voit graviter autour de Jupiter. Galilée le clamera d'ailleurs, Urbi et Orbi, et cela lui coûtera cher, affirmant aussi que l'on peut décrire le mouvement et que la mathématique est la langue de la nature. Les choses iront alors de plus en plus vite. Un homme de méthode consacrera la suprématie de la raison et la dotera d'une arme majeure. La géométrie analytique de Descartes unit les nombres et les figures. Une équation dit tout d'une courbe. Au-delà de la Manche, voici qu'il devient clair que c'est la même cause qui fait que les pommes tombent et que la lune ne tombe pas. Les astres dans le ciel dansent selon une musique muette qu'un nouvel outil, l'analyse mathématique, découvert simultanément en Angleterre par Newton et en Allemagne par Leibniz, permet de comprendre au point d'en prévoir les détours. La science moderne naît, ce flot ne s'arrêtera plus. On recourt de moins en moins aux dieux ou à Dieu pour rendre compte du réel. Après tout, le monde aurait bien pu exister depuis toujours et évoluer sans cause surnaturelle. Le système du monde n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu. Et l'horloge cosmique peut sans doute se passer d'horloger. Les temps seraient-ils mûrs pour la liberté de l'esprit? Pour une nouvelle lumière? Nous n'en sommes pas encore là. N'oublions pas que les réformés, luthériens, calvinistes et autres courants d'émancipation de la pensée religieuse unique ont gagné bien du terrain et libéré le dynamisme de pas mal de populations du Nord. Rome devait réagir.
Dès 1534, la Compagnie de Jésus avait été créée en Espagne selon un modèle militaire. Elle était destinée à assainir l'Église de l'intérieur et à promouvoir une qualité d'éducation à l'extérieur. Tous les moyens sont mis en place. L'Église décrète la mise à l'index de livres et la Sainte Inquisition se généralise. La lutte entre catholiques et réformés est intense. En Allemagne, la paix d'Augsbourg apaise les esprits en décrétant que le peuple est de la religion de son prince. En France, après les horreurs de la Saint-Barthélemy, Henri IV, roi huguenot, promulgue l'édit de Nantes pour protéger les protestants. Mais, un siècle plus tard, Louis XIV le révoquera, chassant ainsi de France plus de 300 000 huguenots. Ainsi donc, l'arbitraire du prince renforce l'intolérance religieuse. Au moment de la révocation de l'édit de Nantes, en Angleterre, la glorieuse révolution rejette l'absolutisme du pouvoir royal et celui du pape. Le Bill of Rights, excluant toute référence à la loi divine, codifie les droits du peuple, établit la suprématie du Parlement, dont les membres sont dorénavant élus par le citoyen. Désormais, c'est le Parlement qui vote les impôts et veille à l'exécution des lois. Toujours en Angleterre, plus de 100 ans avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'habeas corpus, traduction « l'homme est maître de son corps », garantit un certain nombre de libertés individuelles essentielles contre les arrestations abusives, les détentions arbitraires et supprime également la censure. Il faudra encore 110 ans pour que mûrisse le concept de droit de l'homme, consacrant la résistance aux oppressions, tant celle du prince que des religions majoritaires face aux minoritaires, revendiquant de plus la liberté de conscience et d'expression. Mais il faudra attendre les révolutions américaines et françaises du XVIIIe siècle pour en obtenir une affirmation politique de ces droits dans la Constitution des Républiques nouvellement créée. La notion de pouvoir connaît une modification radicale. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Des libertés nouvelles sont affirmées : liberté d'association, liberté de pensée, liberté de conscience et des cultes. Mais le pape Pie IX va réagir. Liberté de perdition, écrit-il, qui entend détruire l'alliance et la concorde mutuelle entre le sacerdoce et l'Empire. Nous sommes en 1864. En attaquant ainsi les libertés, n'est-ce pas aussi les droits de l'homme que l'on attaque ? C'est que, progressivement, un changement s'était produit dans les rapports entre les églises et les États. Davantage de tolérance rend la vie publique indépendante des prescriptions religieuses. Joseph II, empereur d'Autriche et des Pays-Bas, promulgue l'édit de tolérance afin d'assurer, par une égalité de droit, la paix religieuse entre tous les habitants. Protestants et juifs auront dorénavant des droits équivalents à ceux dont jouissaient les catholiques. On aura même la liberté de ne pratiquer aucune religion. Les registres de naissance, de mariage et de décès passent des mains du clergé à la responsabilité des pouvoirs publics. Écoles publiques et hôpitaux civils sont créés. De nos jours, en France,
C'est en vertu de la Constitution de 1791 que le mariage est considéré comme un contrat civil, ce qui permet de reconnaître le divorce que n'autorise pas le mariage religieux. L'État prend en charge les services collectifs qui sont assurés par des fonctionnaires civils et non plus par des membres du clergé de la religion majoritaire. La laïcisation de la société a ainsi rendu la vie publique indépendante des prescrits religieux que chaque citoyen reste libre de respecter pour lui-même. Cette progressive laïcisation de la société et l'émergence d'États démocratiques ont abouti à la règle selon laquelle l'État devait traiter de façon égale tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. L'État devient seul responsable de la conduite des affaires publiques, mais les institutions qu'il crée ne peuvent privilégier un groupe ou un autre en raison de son appartenance philosophique ou religieuse. C'est un principe de base de la laïcité de l'État. La laïcité de l'État est une conception non agressive de l'organisation de la société, à laquelle peuvent adhérer des athées et des agnostiques, mais aussi les fidèles de n'importe quelle religion, pour autant qu'ils partagent ses idéaux. La laïcité est engagement pour la liberté de l'homme. Elle garantit la liberté de conscience. La laïcité est ce qui fait l'originalité même de la culture européenne telle qu'elle s'est développée à partir de la Renaissance. L'humanisme constitue un des fondements de la laïcité. Protagoras a dit « L'homme est la mesure de toute chose ». Socrate, certains penseurs indiens, la Renaissance italienne puis française, combien d'auteurs, de philosophes, développent une vision humaniste, recherche d'un modèle d'homme libre, heureux et épanoui. L'humanisme moderne est formé de l'apport de nombreuses traditions différentes, Grèce antique, judaïsme, christianisme, islam, philosophie des Lumières. Une de ses caractéristiques est d'avoir été capable d'intégrer un ensemble de valeurs qui ont comme base la dignité de l'homme. L'humanisme considère le droit à la différence comme une source d'enrichissement. La science, l'art, la religion, le droit sont faits pour l'homme et non l'inverse. En fait, l'humanisme moderne refuse toute référence au surnaturel. Hubert Reeves l'a dit. Sans contact avec aucun au-delà, l'homme d'Occident occupe dans l'humanité une place essentielle. Quel chemin parcouru ! C'est qu'il a fallu une véritable révolution des esprits pour en arriver à une aussi spectaculaire avancée. Dès l'aube du XVIIIe siècle, l'Europe connaît une évolution technologique importante. Denis Papin avait autrefois déjà pressenti la possibilité d'exploiter la puissance motrice de la vapeur. En 1770, le fardier de Joseph Cugnot avait pour la première fois été utilisé pour déplacer des charges. Le chemin de fer ne naîtra que 50 ans plus tard. Première ascension d'une montgolfière. L'homme est donc capable de s'élever dans les airs. Claude Chappe met au point le télégraphe optique. Pour la première fois, une information peut être transmise à distance autrement que par le déplacement physique d'un courrier. Dès le 19e siècle, apparaissent les premiers métiers à tisser mécaniques et aussi les premières révoltes ouvrières.
Ainsi, en 1831, à Lyon, le duc d'Orléans et le maréchal Soult écrasent dans le sang la révolte des Canuts. Ces tisserands insurgés contre le dumping des prix, décrétés par leur patron pour lutter contre la concurrence anglaise. Déjà. Ce siècle sera donc celui de l'essor de la technologie naissante, de l'industrialisation et dès lors de la massification du travail, de l'apparition du prolétariat urbain, de la naissance d'une conscience sociale dont les conséquences politiques seront considérables. L'Europe. Assurément une brillante réussite sociale, technologique, politique. Une diversité culturelle remarquable. Historiquement, la mère de la modernité. D'accord. Mais, à l'intérieur, une histoire convulsive de nationalismes exacerbés et d'affrontements incessants. Et, à l'extérieur, un expansionnisme triomphaliste nourri de certitudes idéologiques et notamment religieuses. Ce fut aussi cela, l'Europe. Ce qu'on a appelé le colonialisme, un terme évoquant expansion et richesse, mais porteur de toutes les hontes. Exploitation économique de peuples soumis pour le plus grand bénéfice des États européens, s'étant partagé le grand gâteau des matières premières. Destruction des cultures et coutumes locales. Évangélisation massive de populations déclarées idolâtres ou arriérées. Voilà les reproches majeurs. En revanche, on peut relever une scolarisation souvent exceptionnelle, la formation, pas toujours, d'une élite intellectuelle, le développement de remarquables services de santé, un frein, parfois, apporté aux luttes tribales. Encore là, on le voit comme toujours, le bilan doit être nuancé. Et puis, l'Europe ne fut pas la seule à étendre ses certitudes par la violence. Les intérêts économiques et tous les fanatismes religieux ou athées ont, de tout temps, alimenté conquête sur conquête, asservissement sur asservissement. Une avancée essentielle des mentalités et par conséquent du fonctionnement de la société fut sans conteste au XXe siècle la prise de conscience féministe. Née en Angleterre, à l'extrême fin du siècle précédent, le mouvement des suffragettes, transcendant un apparent pittoresque, réussissant à dépasser les réactions de condescendance amusées de l'establishment masculin, mettant aussi intelligemment à profit le rôle assumé par plusieurs d'entre elles durant la Grande Guerre, conquiert en 1928 le droit de vote pour les femmes. Plusieurs décennies et une Deuxième Guerre mondiale seront nécessaires pour généraliser ce droit fondamental s'inscrivant naturellement, on devait finir par s'en apercevoir, dans la droite ligne de l'aventure humaniste. L'heureuse surprise de la maîtrise par la pharmacologie de la génération volontaire permettant de dissocier activité sexuelle et enfantement et par voie de conséquence, l'assouplissement spectaculaire des mœurs contribuèrent à une remise en question radicale du rapport homme-femme, au grand dam, faut-il le rappeler, des traditions. Beaucoup reste à faire, certes, dans toutes les allées du pouvoir, tant politique qu'économique. Mais le mouvement est désormais irréversible. Nous voici à l'aube du troisième millénaire. Une fois dépassées, laborieusement d'ailleurs, les idéologies totalitaires du XXe siècle, d'aucuns ont cru pouvoir annoncer la fin de l'histoire et la disparition définitive de ces séismes. Les progrès fulgurants de la connaissance scientifique, affinant constamment les concepts de base de la physique et de la biologie, nous permettent une vision de plus en plus laïcisée du réel. Or, la sécularisation de la société, qui devrait en être logiquement la conséquence, tarde à se généraliser. Elle n'intéresse pour le moment qu'une part minime de la population du village
planétaire. Une mondialisation mal gérée s'affronte à des résistances légitimes, mais aussi à des poussées obscurantistes, fondamentalistes, reposant sur des traditions mal repensées. Face à cette menace d'une guerre des civilisations, voire d'une guerre des dieux, notre bonne vieille Europe, riche de sa mémoire, arrivera-t-elle à proposer au monde les valeurs constructives d'une véritable pensée libre ? L'avenir nous le dira.